Bonjour les Cupcake Mania Makers et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un petit classique. La recette des crêpes. Bah oui, parce que c'est bientôt la Chandeleur. Et qu'est-ce qu'on fait à la Chandeleur? On mange des crêpes. Des crêpes au sucre, des crêpes au Nutella, des crêpes au chocolat, à la confiture, avec de la compote, avec du citron, avec du miel, bref, on mange des crêpes. Et pour réaliser votre pâte à crêpes, vous aurez besoin de... 300 g de farine, 3 œufs, 3 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères d'huile, du lait et une pincée de sel. Bon, pour les préparer, c'est tout simple. Vous prenez un saladier, pas besoin de robot. Dedans, vous mettez la farine, vous rajoutez les œufs, le sucre, l'huile et le lait. Pour le lait, mettez-en jusqu'à ce qu'elle ait la bonne consistance, c'est-à-dire pas trop liquide, mais non plus pas trop pâteuse. Personnellement, j'aime à y rajouter de la fleur d'oranger, mais c'est pas obligatoire. Certains aimeront aussi rajouter un petit bouchon de rhum. C'est comme vous voulez. Dans l'idéal, c'est pas mal de laisser reposer la pâte au frigo une heure ou deux. Dans l'idéal. Mais si vous êtes gourmand et que vous voulez tout manger tout de suite, bon bah c'est possible aussi. Et voilà, c'est parti pour la crêpe party! Soit entre copains, soit en famille, mais une crêpe party, c'est toujours topissime! Cette vidéo est maintenant terminée. Vous n'avez plus qu'à prendre votre tablier et aller préparer votre pâte à crêpes. Moi, je vous fais des bisous et on se retrouve très très vite dans un prochain tuto. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait bien plaisir.